Coucou les amis, eh ben, je vous présente mon nouveau bébé. Voilà, ce livre que j'ai écrit entre le mois de mars et le mois de mai, qui va sortir le 28 septembre. Ça s'appelle La Nostalvie. Alors, la nostalgie, c'est quoi? C'est pas la nostalgie. La nostalgie, c'est se dire que tout était mieux avant. Non, non, c'est pas ça. Simplement, dans ce livre, j'explique qu'on pourrait peut-être prendre des valeurs d'avant et puis les adapter aujourd'hui pour aller mieux. Il y a des valeurs d'avant qui me manquent, moi, que j'ai connues, la solidarité, le partage, quelque chose d'anachronique, à la fois un peu plus de liberté et peut-être un peu plus d'autorité aussi. Alors, pour ceux qui aiment mes bouquins, je pense que vous allez vous régaler. Il y a plein de choses à la fois... des anecdotes, à la fois des souvenirs, mais aussi une certaine philosophie. Parce que je pense que si vraiment on retrouvait certaines valeurs d'avant qu'on adapte à aujourd'hui, eh ben notre futur irait beaucoup mieux. C'est pour ça que sur la couverture, il y a un enfant à qui je fais la transmission de tout ce que je sais. J'ai bientôt 70 piges, donc j'ai plein de choses à enseigner aux générations d'après. Et puis pour ceux de ma génération, ils vont retrouver des souvenirs, des choses qu'ils aimaient bien de l'époque. Voilà, ça s'appelle La Nostalvie. Ça sort le 28 septembre. Voilà, c'est mon nouveau livre. Je vais essayer de faire pas mal de promos là-dessus. Pour défendre effectivement des valeurs que je juge indispensables. Je discute beaucoup autour de moi et il y a plein de gens de toute génération qui me disent qu'ils sont nostalgiques, eux, d'une certaine manière de vivre, et je voudrais témoigner de ça, vous transmettre ça, et puis faire que peut-être on vive mieux si on retrouve ces valeurs-là. Voilà, je vous embrasse très fort, et dans le sillage de ça, il y aura quelque chose dont je vous reparlerai, un spectacle qui va commencer à partir du mois de novembre, qui s'appelle Hommage et dessert, où je rends hommage à travers des chansons, des imitations en théâtre, à mes potes, à ceux que j'ai connus à Gainsbourg, à Coluche, à Brassens, à Nougaro. Voilà, tout ça, ça va à peu près ensemble. Donc, tout d'abord, ça, le 28 septembre, ça s'appelle La Nostalvie. Je vous souhaite une bonne lecture. Je suis sûr que ceux qui m'aiment bien vont se régaler parce que vous allez trouver plein de choses et plein de valeurs auxquelles vous tenez. Voilà, je vous embrasse fort.